que la personne à qui vous voulez parler est un pécheur qui a besoin de Dieu. Si la personne confesse de sa bouche et croit dans son cœur à la Seigneurie de Jésus et à sa résurrection, alors elle sera sauvée. Votre but est d'amener la personne à rencontrer le Seigneur. Merci Seigneur, je vais aller prêcher ta parole, je vais aller sauver les âmes, je vais aller faire la misère au diable et à tous ces démons. Allez, c'est parti. Dès que vous êtes sur le terrain, soyez courageux, car le Saint-Esprit n'agira pas si vous n'êtes pas courageux. Osez parler. Il y a plein de choses pour être comme les autres de ma génération. Si certains arrivent à découvrir aussi le faire. Pourquoi? Parce que j'avais pas de sens à ma vie. Je savais pas où aller. Et en fait, j'ai utilisé les autres. Ça veut dire que moi-même, je ne savais pas. J'avais un but dans mon cœur. J'étais en train d'utiliser les autres. Simplement pour combler ce vide dans mon cœur. C'est mal de dire que c'était. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Dieu te connaît même dans l'intimité de ta chambre, quand la lumière est éteinte, quand personne te voit. Lui te voit et te connaît. Il n'a pas commencé à connaître hier, il te connaît avant même que tu naisses. Aujourd'hui, je suis heureux d'être appelé enfant de Dieu. Je déclare que je suis désormais chrétien, né de nouveau. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Je connais un homme qui a le pouvoir de guérir vos maladies. Je connais un homme qui a le pouvoir de briser vos...